Yo tout le monde, c'est UnderXL et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu. Oh putain, déjà les déplacements ça va être galère. Je vous souhaite bonne année parce que j'ai pas pu vous le souhaiter hier. Oh putain, c'est déjà le bordel. Donc, aujourd'hui on se retrouve sur, wow, sur un simulateur de chat. Ouais bon, déjà ils se font presque pas de pub. Ce chat est fou. Et je viens de remarquer un truc, c'est que la maison dans laquelle il vit, le toit est super bas quoi. En un bon chat, il y a moyen de l'avoir. Bon, excusez-moi si je me déplace pas très bien. Bon, personnellement, moi, si j'ai un chat comme ça, il ferait pas long feu. Putain, mais... Les gars, je ne fais rien. Et le canapé est possédé, là. Le canapé est possédé. Ah, on sait déjà ouvrir les... Wow, calme. Donc, encore une fois, les gens vivent dans une maison assez bizarre. Enfin, déjà... Quand on voit la hauteur du toit, c'est assez bizarre comme ça. Ça, c'est un personnage de manga. Au Japon, je sais plus comment il s'appelle. Ces gens sont vraiment bizarres. Ceux qui habitent ici, deux gros posters de chats. Avec un chat qui... Wow! Qui fout le carnage. C'est le cas de le dire. Regardez. Putain, l'assiette, elle m'a mis dehors. On va essayer d'aller par là. Ah, ça fait allusion à Portal. Mais pas dans le bon sens. Je dois prendre quelque chose là. Oh putain. Regardez-moi ce bug graphique. Alors en fait, il y a à peu près tous les jeux du monde ici. Putain, troisième fois que je me fais maltraiter par des objets là, les gars. Putain, mais les objets me maltraitent. Je suis maltraité par des objets. Et en fait, quand on regarde ça... Oh, tu te calmes. Quand on regarde, les personnes qui vivent ici adorent les chats et c'est des putains de geeks. Et moi aussi je joue assez... Putain, je me fais maltraiter par les jeux vidéo. Ça promet ce jeu. Bon, par là on peut pas y aller. Putain, mais c'est de là que je viens. Putain, mais je crois même que j'ai pété la porte. Elle s'ouvre plus comme il faut. Les gens qui vivent ici viennent en rampant chez eux, au calme. Ok, là je viens de traverser la porte, tout va bien. Bon, on peut aller à l'étage. Bon, on va prendre la première porte. Putain, mais ils ont encore une borne de serveur ici. Putain, ça fait peur. C'est des youtubeurs, enfin, personnellement je connais lui. Oh putain, je me fais maltraiter par la table maintenant. Sinon les deux autres, je les connaissais pas. Je rêve ou c'est quoi ce truc? C'est dans un jeu vidéo qui est ça. Pas grave, je me fais quand même maltraiter par les objets. Putain, j'imagine les gens qui rentrent chez eux après être partis tranquillement. Enfin, ils rentrent par la porte en rampant. Après être parti tranquillement, bon d'accord, ça c'est encore une pièce bien glauque, et ils retrouvent toute leur maison en bordel à cause d'un chat. We had to move some stuff, but in the picture... Ils parlent d'une picture, enfin d'une image à la cuisine. J'ai rien vu à part des choses bizarres jusqu'ici, donc je le crois. Ici, on sait pas ouvrir la porte. Oh putain.
Bonjour. Putain, mais je me fais encore agresser par la table. Je sais pour où. Oh, un ballon. Ballon de basket. Je vais mettre un goal. Un panier. Bon, ceci fut assez nul. Bon, on regarde aussi. Je viens de faire déjà bugger le jeu. Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que le tour est assez rapide à faire. J'ai envie de quand même regarder après. Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est des vieux livres qui m'agressent aussi. Bon. Putain, je me fais agresser par des livres maintenant. Je me suis fait agresser par des lampes, par des tables, par des chaises, par des livres, par des télés, partout. Tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est dangereux. Bah, on va terminer de foutre le bordel. Ah putain. Par contre, on entend le réalisme quand ça s'effondre. C'est franchement trop réaliste. Bon. Eh, j'arrive plus à sortir. Putain, je suis enfermé. Bon ben. On va essayer de trouver un moyen de ressortir quand même. Putain, je me suis enfermé comme un gros con. À moins que le propriétaire soit revenu. Ah, vu que... Oh putain, il se fait pas chier, lui. Carrément, l'iPhone. Pub pour Apple. Mais j'arrive pas à voir c'est qui, lui. Putain, saloperie, il m'agresse encore. Non, lui, franchement, j'en ai aucune idée. Putain, dégage. Et lui non plus, il me dit franchement rien. Le seul qui me dit quelque chose, c'est lui. Je me rappelle plus de son nom. Bon, sur ce, c'était Cat Simulator, un jeu quand même assez bien. What the fuck? Putain, la table fait pas chier. Quand on regarde, c'est quand même un chat qui est en train de défoncer une table, quoi. Au calme. Enfin, il défonce une maison complète. Il repousse des tables au calme. Et puis, ah, mais... Ça, c'est Rocky Balboa des chats, ça se voit. Donc là, je dois sûrement avoir fait bugger son serveur. Enfin, je me demande déjà qu'est-ce qu'il fait avec un serveur chez lui. Mais bon. Quand c'est what the fuck, ça reste toujours, quoi. Putain, je vais encore me faire agresser par une table. Je voulais repousser les lignes comme ça pour bien bordel que je suis renfermé. Voilà, ben on peut dire que je suis le chat le plus gentil du monde. Sur ce, c'était Cat Simulator. Encore une fois, bonne année. Et laissez un pouce bleu et abonnez-vous.